Ah c'est bon, la VOD, yo la VOD. On se fait nos petites games, comme d'hab, tranquille. On se pose, on fait voilà, juste les petites chasses quoi, on connaît maintenant hein. Ravis, le gaming. Je la connais pas. T'as la Tréon, hein, la Tréon Longsword. Théo, where? Attends, je sais pas, Chouk il est là, Chouk. Faut qu'on regarde si Chouk est là aussi. Il doit être RM100 maintenant, Chouk. On peut pas avoir... Attends, je vais tester un truc. On peut pas avoir des tickets repas ici? Bah si, avec le Vaporium, mais autrement. Oh, y'a Peter! Vas-y bien, on fait les cons. Comme d'habitude. Hein. Vraiment, il y en a deux. Faut pas les laisser ensemble, sinon c'est n'importe quoi. Pour ça, Xenogiva. C'est là. On va en ville et on tient vite fait les trucs de l'alchimie là. On sait jamais hein, des fois. Je crois qu'il y a des dingueries là-bas. Je suis passé à côté et tout. Investigation! Discovery New Monsters. Tu vois ça, ces petits bruitages là? Vraiment agréable. T'es où? Non. Putain, il y a plein des trucs d'alchimie en vrai. Hein. Oula! T'as posté l'échauffement, ok. J'arrive. Stream, machin. Ah non, on peut faire ça ici, c'est vrai. Arnaque! J'aime trop Celiana. Cet endroit est incroyable. Voilà, c'est tout. Celiana, c'est trop beau. Et la musique est trop bien. Tu vas à Noël et tout, t'es posé. Hein. L'échauffement, il a dit. Ouais, t'as un échauffement. Oh bah vas-y, bah si, quitte à faire de la merde, je vais partir longsword pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce set? Truc? Bon, vas-y, ouais. T'inquiète, j'emmène ma pioche, mec. T'inquiète. On risque rien. Ah oui, attends. Mais j'ai enlevé. Ex-su, oui. C'est bon. Voyons voir. Oh mais t'inquiète, hein, bénédiction ou pas, ça va être quelque chose. Hein. À mon avis, va se passer des dingues. Petit retour au camp là, hein. Le bon côté, c'est que quand tu commences par le Fatalis, après, les quêtes que tu fais, elles sont chill. Les abdos. Il est joli le talisman là, bleu qui brille. Ah ouais, les épaules sont hautes, ouais, de ouf. Clairement. Bah c'est les muscles. C'est là, brap, 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 brap. Et puis tire vers le haut, tout ça là. Oh, y'a Nuis. Let's go, mec. Moi j'aime bien prendre dans le coffre, vous savez, le petit rituel MH, c'est ça. Hein. J'ai toujours peur que le fatalisme me lâche dans le cône de feu. Le piaf me lâche dans le cône de feu. Genre je descends et hop.
J'ai pas le bon manteau. La hitbox là était gentille. Hein. De ce quoi là. Alors tu vas bien. Le monde sombre dans le public. Juste test pour rigoler. Sur lui là, parce que jamais test. Mais c'est cramé. Blan à cap tempo, il a dit. Faut lui dire, elle est en vacances. Oui, je suis à la pioche, c'est pour ça que ça se passe bien pour l'instant. C'est d'ailleurs pour ça. La longue soirée, ça se passerait pas si bien. Hein. À chaque fois que je vois le pseudo de Squalala, à savoir Nepif, ça me fait penser à la carte Yu-Gi-Oh! Avec le dragon de Nepif, c'est trop bien. La boisson de Wim, pas merci maman, il a dit. En vrai j'avoue. Au moins, elle fait attention, c'est mignon. Tiens. Tadap. Tiens. Hey. Attends-moi dans ton temps et tu me portes. Ah ben voilà, tu vois. Non mais elle a raison. Faut pas sous-estimer les darons. Never underestimate Daron. Oh c'est mignon comme tout en vrai. Hey. Il faut qu'on fasse la chèvre. Comment est-ce que tu lèves la tête? Nice. Je sais pas pourquoi j'ai voulu grave en vrai. Mais... Il n'aime pas les coups de pioche, hein. Just doing la chèvre. Just goating. Gros bâtard. Oh, il prend les mesures. Voilà, hop, t'as là, t'as coupé, hop, Pythagore, toutes tes conneries là. J'ai hésité aussi. Bah non, c'est bon, je suis out of range là, non? On a rarement deux fois le début de la musique.
sera le même fight en vrai. Non, non, c'est bon, il a réveillé avec la Grator, c'était bon. Moi, le Slash, j'avoue que j'ai hésité beaucoup, j'aurais pas dû. La pioche, ça va, ça fonctionne pas trop mal. Hein. $2,147 par wound. Ah oui, nice. Un bâtard. Bordel de cul. Tiou. Plein de mauvais timing, hein. On a vraiment cassé la corde déjà là? Stylé! Ouais! Donc, on a fait un bon focus de tête sur la première phase. On joue n'importe comment, mec. Ça touche. Il faut croiser en la pioche, vous voyez? Ouah. Il faut croiser, je vous dis. Ça, je suis la vie. Moi, je suis bien. Ah, coup d'épec. Vas-y, encore, vas-y. Aïe! Il a couru d'un coup. Tout. Moi je suis là avec ma cape mon Thunderproof, vas-y bah les couilles. Voilà. Tout vos dégâts sont colossaux, il a dit.
En tout cas, il y a un bon focus de tête qui est fait. Et faut chèvre, il faut chèvre. We're doing the chèvre. Oh le gros bâtard. Ouh, tac tac. Mec, t'as vu, j'ai ma cape Thunderproof. Voilà. Heureusement que tu l'as. Mais mec, sans ça, à mon avis, là, on aurait lose déjà. Hein, ouais. Je pense que c'était lose. Tététéréré. Hey, yo Pika. On est bien là, hein. Oh, j'ai pas vu l'Arial Greatsword. Oh, c'est vraiment collé là. Il est un peu loin là, non? On veut chèvre? Yomoon, bonsoir, bienvenue. Pas très très bien, merci. Toi qui vas bien également. Oh, ça m'a fait passer devant. Holy shit! Tout à l'heure, le genou ne m'a pas tué, hein. Je tenais juste à dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas roulé à l'IMC. C'est bon, là. Saleté! Bah, oui, bah, je vais prendre un autre manteau. Parce que, du coup, depuis tout à l'heure, j'ai le mauvais manteau. Non, pas là. Bah, le genou, mec, t'es mal le genou, quoi. Dinguerie. Sinon, on fait une bonne game, hein, jusque-là, avec la pioche. Ah,
Ah, je me pose pas tout de suite, hein. Le wound de bide, ouais. Ouais. Voilà, ça tape juste pour le plaisir de taper, hein. Ça forme plus vraiment, en vrai. Brody! Dommage. Oui, les palicots ça vaut cher. En double lame, oh. La trio double lame, je pense, c'est un des match-up que j'aime le plus. L'élément, il le prend bien. Le fataliste, ouais. Ah, c'est les grosses bêtes du jeu. Ah, merci la musique! Attends, T-Grex! Oh la vache! Il y a mieux en terre de stuff, c'est sûr. Cette douche de chèvre, c'est ça? Quel bâtard! Oh, il est bas. Lui, le fataliste, lui, on l'a battu plusieurs fois déjà. Vers quoi te diriger? Pour les Dual Blade? Je sais plus ce que je jouais à l'époque. Est-ce que t'as fait Safi et tout? Ouais, mais ça m'étonnerait parce que c'est un peu plus compliqué maintenant. Bah, y'a moyen toujours, hein. Prends du crit, des trucs qui crit et beaucoup d'éléments, et normalement t'es bien, t'es pas trop mal, on va dire. Je regarderai après ce que j'ai. Lui, c'est un peu le daddy des dragons, tu vois. C'est pour ça que ça combat. Il se fait pas si facilement que ça. Oh, les palicots, j'avoue, ils prennent tarif.
Ouais. Oh. Il m'a écrasé comme ça, direct. Mais où il a dit. Il y avait le coup de patte, il y avait la baliste à côté, souris. Mais où. Là, la baliste, là. Il m'a fait genre. Oh, j'ai eu l'œil quand même. Cette baliste mal garée. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est très important de savoir se garer correctement. Vous voyez? Là, a priori, c'était très mal garé. C'était dans le chemin. J'ai pas pu faire ma roulade. Verra stuff Safi avec double M. En vrai, le stuff Safi, c'est pas mal pour avoir de l'élément. Sinon, si, je sais pas si t'as fait le Braki Tempête. Si t'as fait le Braki Tempête, son stuff est pas mal pour donner plein de slots. Agitator, là. Donc, c'était mérité, je crois. Débloquer. Des trucs comme ça. C'est pas mal, en vrai, pour faire des trucs. Sinon, tu te fais un classique avec du stuff. Un mix Théostra et puis je crois que c'est Théodogaron. Théostra, Odogaron, t'as du crit. T'as plus qu'à mettre de l'élément dessus et de base c'est bien. C'est you, oui c'est moi. C'est moi, j'ai pris. Vas-y, à toutes là-haut. J'ai pris la balise, je l'ai mal garée. Après, moi j'ai pas encore la conduite. Hein. Que pour la musique. Bah oui, mec, t'as touché qu'un truc avec le Dragonator. Bon, c'est pas grave après, mais. Braki Kaiser. Bah tu peux faire Braki Kaiser, ouais. Sinon, Odogaron Kaiser, ça va. J'ai pris une putain de claque, mec. Je t'ai vu partir d'un coup. Genre, t'étais à côté de moi, et d'un coup, t'as décalé sur la droite. Je me suis dit, bah. Il est parti. Oh, tous les Pokémon, what the fuck. Moi, c'est 10 émotes mat, max, Guillaume. Tu veux remettre ou sinon on fait un autre. Il y a Kuftarot aussi. Mais on se fait une petite Katie quand même pour le plaisir. Et puis après on va. C'est bien là de miner. J'ai pas vu s'il y avait Squalala. Squalala il veut venir en Kuftarot. Il peut faire Kuftarot. Sauf que je sais pas s'il est là. J'ai pas vu qu'il y avait dans la session. Mais si voilà, une Kuftarot c'est. Ça se fait ça. C'est en train de courir jusque là. On était pas mal sur le combat sinon en vrai. Dommage que le Patalis il ait un pattern clac parce que en vrai je l'attendais pas du tout le pattern clac. Depuis quand il fait des beat slaps celui-là? Merci beaucoup pour le follow. Putain, on en a tué comment des fatalis? Combien des fatalis on en a fumé? Il me sort une beat slap comme ça. Toujours. Pas dit. On a fait 130 et quelques. On peut prendre la quête de loin. Ah, bonne question. Je crois que normalement, oui, sur le menu radial, t'as un truc pour pouvoir accepter les quêtes. Je crois, je suis plus sûr. Hein. Peut-être pas. Peut-être c'est que sur Rise, ouais. Bah, tu sais, moi, déjà sur Rise, je l'ai découvert juste avant qu'il sorte Sunbreak, du coup, maintenant. Faut te rappeler qu'il n'y a pas pensé ça. Et peut-être Anubis, il est en game, il nous rejoindra après au pire. Je crois qu'il est assez haut niveau pour Kuftarot. Moi non plus, les menus, je sais pas. Moi, j'aime bien aller parler aux PNJ pour leur demander de me donner les quêtes et tout. Moi, je suis là en mode, oh, bonjour. Elles sont toutes pipou là. Le meilleur build pour un gameplay marteau. Pour un gameplay marteau, en vrai, j'aurais tendance à dire qu'actuellement, le meilleur build pour beaucoup d'armes, c'est de jouer Fatalis, l'armure Fatalis, et tu blindes l'attaque, le crit, l'attaque, tu mets du stun et focus, et puis t'es parti, en vrai, ça doit être nickel. Genre, tu vois, limite comme le set que j'ai là. T'as crit à fond, t'es mérité, t'as attaque boost, pic performance, je sais plus, c'est performance optimale en français, tu max, berserker, tu max. Mise à mort, tu max, attaque au moins niveau 4 pour avoir le pourcentage de dégâts, puis après tu te fais plaisir avec un peu ce que tu veux en vrai. Mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Je regarderai mon set marteau, j'en ai un. Sûr, on regardera ça juste après et mon avis il fonctionne bien. Mon set marteau là actuellement quand j'utilise, fait les dégâts, fait bien le taf. Le Fatalis c'est cool ben, pour en refaire. Ah ouais, il y a le Death Note avec Guillaume dans les émotes. Oh oui, j'ai fait un Death Note. Mais ça c'est parce que on se fait des sessions Mario Kart des fois et c'est très important de pouvoir utiliser le Death Note à ce moment.
Ouais, ouais. Il y a des mates qui méritent. Je vais pas donner de nom parce que moi j'aime bien tout le monde. Hein. La commu bah, est pas très grande. On se connaît tous, on est tous potes et tout. Mais il y en a certains, leur pseudo et hop. C'est parti dans le Death Note quand même. Hein. Oh. Exactement là, ça. Pourquoi il a tiré Kuftarod par là-bas? Ah, là, ils sont plus fortes que les autres, il a dit. Elle drip. Ah, elle a des roues roller, Kuftarod. Holy shit. En tout cas, c'est pas ceux qui mettent des raids dans le vide, hein, le crack, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh, ça me dégoûte comment ça m'envoie tellement loin. Tu te fais doubler à la fin, oui, parce que tu prends une blue et du coup tout le monde te passe devant. Je connais ça. Bah alors. Tiens. Je prends pas les hits là où je pense que je vais les prendre. Je connais pas assez cette arme aussi. Ouais, je fais chaud, hein, bonjour. Oh, c'est bon. Là, j'ai hésité à appuyer, mais ça me fait chier si j'arrête. Là, j'ai pris un coup de pec. C'est très chiant quand on se déplace en crabe comme ça. C'est bon. Hey. Ah, la même. Hey. Hey. Elle me touche pas là. Oh, elle me touche carrément. Elle est tellement grande. Le bait. Vas-y, hein, découvre les émotes, découvre. Les émotes, faites par mes soins. Profite. Un plaisir. J'espère que t'aimes bien. Merde. Voilà, Lucas. Mais si. Non, moi je tue personne. Aïe! Voilà, hop, ça prend. C'est un conseil. Nice. C'est passé. C'est loin. Je conseille. Saleté. Peut-être un jour ils vont nous donner Monsieur Kuftarod, ça va être une dinguerie aussi. On va être en mode what.
Après, on aura le duo Cuftarot, Monsieur Cuftarot. Le Falcon Punch comme ça là. T'inquiète. Ouais mais nous c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est une madame, mais c'est vrai que... Ça m'aurait étonné qu'il y ait un monsieur Cultarot genre vraiment très très diff et tout. Mamutaroto. Oui, oui, son surnom c'est ça, ouais, de souvenir. Refait. Mais c'est de la ch... Non, ouais, j'ai rien. Oh. Ah, vas-y, vas-y, ouais, Anubis. Bah, super. Ah, moi, je dis lever le canard, ouais. Mais pour Cuftarot, c'est plus parce qu'ils disent, comme Peter il a dit, la DS et tout là, de dehors. Un truc comme ça là. Oh, je me suis fait cancel! Du coup, j'ai pris le coup de Tail derrière. Oh, mais là, il y a une épice! Viens pour la dernière phase, viens Lich. Et après je montre le marteau. Hey. Super. Ok, vas-y. Ça dégoûte. Elle nous vomit dessus. Faut que j'apprenne à utiliser plus souvent les first aid que mes potions. C'est des économies quoi. Ça c'est moi hein. Qui est en train de me tabasse. Envie de Canax. T'as vu ce qui s'est passé, mais t'as pris une dingue, quoi. Alors, fais deux. Oh, la pente! Oh, la pente! Ah, intéressant, intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Putain, ça va pas. Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'ai failli mourir comme ça, il a dit. Sorry, hein. Ouais, me battre dans la pente, bon. On n'a pas que ça à foutre en vrai. Ah, en lootant, ouais, mais ça, j'ai failli, hein. Là, le vin de lave, j'avoue que j'avais pas vu venir. Ouais! Ok, nice. Pas de l'autre côté en plus. Quand t'es dans le bain de lave.
Hop. Non, je veux pas du tout à Naruto, là. Pas du tout, du tout. C'est des modes Mario Kart, aussi, à la base. C'est Mario Kart, à ce moment-là qu'on l'a fait. Ouais, les cornes. Cornes. Ouais. Prends Mario Kart. Parce que quand tu joues à Mario Kart, quand t'as joué à Mario Kart, tu prends la sauce très régulièrement. Et du coup, cette émote-là vient de là. Tout bêtement. Après, voilà, moi je suis asiat, du coup, ben forcément, on me fait un bol. Hein. Le classique. Le classique bol. Ouais, t'es pile mort quand fallait pas en fait. Mais NP! Ah, t'auras peut-être pas le temps de looter du coup, ouais. Ouais, c'était vraiment les pires timings pour die. Ils sont en train de looter quoi là? Y'a rien ici. Ok! Alors attends, pour Gandalf, c'est parti, le 7 marteau. Je te montre ça. Tip toup 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 toup. Mon 7 marteau chelou. Ah, t'en as besoin en plus? Bon, après, des qualités, on peut en refaire. Hein. Mais c'est vrai que là, le timing était dégueu. Hein. Mais normalement, on a le temps de revenir looter quelques petites fois. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas eu tout, c'est sûr. Il a Gandalf ? Tu montes ça ? Ouais, là, Onoki, hein. Faut le Onoki. Onoki ! A toute pétère, merci pour les games. Il est là, le 7 marteau. Il a quoi, mon 7 marteau ? Bah voilà, bah comme je disais, mon 7 marteau c'est vraiment de l'attaque. Ah, j'ai mis tout le spécialiste à fond quand même. 4 choses dans le bouteille. Ouais, je peux mettre un truc. Oui, je peux mettre 4. Oui. De fait, tu peux mettre 4 choses. Oui. Voilà, le 7 marteau, le basique, ce que j'ai moi c'est celui-là. Full attaque, full témérité. Pique performance, je n'ai que 2. Mais voilà. Et tu vois, c'est full fatalis à part les bots. Je pense que tu peux changer des bots même. Hein. On va mettre du fatalis. Il y a un monde, mais ça suffit. Moi je mets des trucs pour le confort, tu vois, genre protection, brace. Là c'était pour pas me faire cancel parce que des fois tu fais tes attaques big bang, il y a un mec qui te met un taquet et c'est foutu. Mais si tu joues en solo, même ça hein, tu peux le virer au pire. Maintenance, flawless protection. Ça fonctionne bien, ouais. Allez-y hein, si vous avez des quêtes, vous voulez remettre une Katie? Tu veux refaire? Ben oui, là oui. Mais c'est parce que je jouais pas Finish Free, mais là avec mon 7 marteau, normalement je crains rien. Allez, je vous paye le repas, vas-y. Alors. Du coup, Moon, tu vas devoir retourner voir le PNJ. Pour essayer de comprendre. Mais pourquoi il t'a pas filé le 4ème slot? C'est mérité, il est. Tu veux refaire? DLS trop bien. Je suis Sasuke, ouais, il a dit. Ah, t'en as que 2? Ah ouais. Toi, tu fais pas beaucoup tes quêtes de PNJ, toi. Oui. Parce que c'est avec ça. Je crois que tu peux les voir, hein, les quêtes qui te donnent les slots de botaniste et tout, non? C'est pas là. Genre, ressources. Ça. Ressource Center Delivery. C'est ça, hein. Ressource Center Delivery. Troisième onglet, hop, tac. Et là-dedans, tu dois avoir les trucs pour... Attends, regarde, fait. Tout ce que j'ai fait, c'est cela, ce que j'ai fait. Ah si, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pour débloquer les camps, les conneries, catalyse, machin. Ouais, c'est ça. C'est le bel Kumar ? Oh, je sais pas du tout. Mais normalement, si t'as atteint un S-Bomb, tu dois déjà avoir tous les slots. Hein. Ça va aller Shiny? Non, Shiny non, il va pas bien parce que Pokémon, voilà. C'est rien d'SNS. Toi, tu passes vraiment d'un jeu à l'autre comme ça, quoi. Hop. Bienvenue sur Discord. Boulg. Ah voilà, les Bounty. Large Monster.
Bah non, 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 Justin. Vas-y, j'ai remis Katie, comme ça il peut retry. Moi je vais y aller au marteau, comme ça il verra les damages s'il veut en double. Peut-être le. GG le shiny! Tap, 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 tap. Je vois qu'il passe à un autre festival, qu'on ait une autre musique ici là. Parce que c'est pas que j'aime pas celle-ci, mais c'est pas ma préférée, clairement. J'ai graillé? Je crois que j'ai graillé, j'ai même pris Pokémon. Non, Féline Matmut. Mon arme, oui, c'est normal, ouais, t'inquiète. J'en ai d'autres, hein. Attends, je vais changer de skin. Cette arme-là, c'est un marteau. C'est un marteau! Je peux changer de skin. Après, c'est un de mes skins préférés pour le marteau. C'est bien, bien brutasse. C'est des vidéos, quoi. Palace. Oh, je peux taper avec la viande. La viande! Ouais, il y a celui-là. Mais celui-là, c'est un mode. C'est un mode. Ouais, il est trop bien, le Devil Joe. Ce qui est bien avec le marteau Devil Joe, c'est que quand il est énervé, tac, voilà, il y a du rouge et tout. Oui, il y a de la viande. Et la viande n'est pas un mode, c'est un vrai skin du jeu, par contre. Yeah, oui, oui. Bois avec le pif. Là, je bois avec les yeux, là. Non, c'est bon. Enfin, je finis avec les yeux, mais... Ouais, 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 ouais. Allez, c'est parti. Les chauves-souris dorées, je crois que je les ai déjà chopées dans le filet. Ça aussi là, tous les crabes. Let's go! C'est bon le mur. Mur 1. Des armures viande. Je suis pas sûr qu'il y ait des armures full barbecue. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Par contre, t'as les armures où ton perso il sort les pecs, quoi. C'est toi la viande, du coup. Oh, elle a esquivé le mur. Didi. Ouais, mais elle est pas dans les matchs, Didi, gars. Pas encore, hein. Jamais. Hein. Peut-être qu'il y a un mode, ça se trouve. Ouais. Bah ouais, mais ouais, tellement grand. Ah bon? Bon, ça, je suis décédé. J'étais en train de glisser, pépère et tout. Abusé! Abusez ça! Devant ta gueule. Où t'as été là, spinning? Just spinning et... Hey. Nice! Ouais, c'est le bon endroit pour moi, mais bon. Ouais. Franchement, la flaque de lave. Moi, c'est mieux le marteau sur la phase d'après, ouais.
Dans ta gueule. Sur Patali, j'aime bien Marteau aussi. Ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup le follow. Bienvenue les nouveaux, bien évidemment. Toujours. Faut se venger là, on va casser les couilles. Bon ça Ryu, ça va très très bien, merci. La forme j'espère également. Voilà. T'en as pas. Donne. Heureusement j'ai fini free hein, parce que là je me serais fait cancel. Bien la tête. C'est bon, c'est cassé. Les pentes c'est pour nous. Ok, vas-y. J'arrive. Là, je refais mon petit plein, bien, tout ça, et c'est bon. Là, on entre sur les phases où, techniquement, avec le marteau, c'est quand même mieux. Hein. Je fais un peu moins faire le con. Oh hein. Hein. Quoi. Hein. Et donne ça. Ils sont pas très mal. Oui, en vrai, ouais. Si t'as envie de vraiment t'amuser au marteau, il faut faire des moves un peu chelous. C'est là que tu tapes des barres. C'est pour ça que je spin, parce que bon. Les petits plaisirs du marteau, on te met une grande pente en plus. C'est un peu un appel au spin pour faire le con. Mais sinon, ouais. C'est beaucoup de placements. C'est la satisfaction sur les placements, le marteau. Pourquoi, Mac? Vraie question. Parce que je suis dead tout à l'heure, du coup, je voulais récupérer des potions. Attaque, def. Classique. Ah ouais, les spins, on se tape des barres avec ça. T'inquiète. Il n'y a pas de strat caché derrière ça. Comme mon attaque préférée, marteau, c'est pas celle-ci quand même. C'est pas le spin. C'est celle-ci là. Ça, celle-ci, avec le grappin derrière. Ça, je kiffe de ouf. Vraiment, j'aime trop faire ça. C'est trop grave. Ouais, le chargé plus grappin, c'est mon move préféré. C'est vraiment un move de kéké, mais c'est trop bien. Après, c'est risqué, hein. Nous, on prend des risques, hein. Avec le martal, quand on fait ça. Hein. Moi, je fais ça sur le fatali, je me tape des barres, mais si ça se passe mal, derrière, il se passe des choses, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on aime bien ce move.
Ouais, frère. J'étais grillé encore là, mais c'est pas grave. On s'en fout, on régène bien au Martal. Oh! Allez, 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 ouais! Techniquement, les cornes devraient péter là. Super. Mec, je suis mort à cause du ledge, ça me dégoûte. Mon perso a voulu monter le rebord et du coup je suis que ça m'a tué en fait. Alors j'ai roulade et tout. Ouais, la hitbox du marteau, c'est une vraie hitbox Capcom, hein. ça fait plaisir aussi. Ça me dégoûte. Et en plus j'étais en train de me dire. Oh, ça pue un peu la zone là. Ah, ça pue un peu cette histoire de rebord, non? C'est pratique pour sauter, mais bah, finalement, oui, ça pue. Ça y est, s'en va? Ah, y arrive. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont râlé sur les rebords de Monster Hunter. World, on a eu pas mal de ça. Parce que les rebords, ton perso qui est en mode bas, attends, je monte le rebord, et du coup, il cancel sa roulade. C'est rare hein, que ça arrive, heureusement. Mais quand ça t'arrive, comme ça, là, c'est horrible. Les rebords, c'est l'enfer. Bah, nous, c'est sûr que quand tu joues à MH depuis longtemps et que t'es habitué au truc plat. Tu sais, regarde, t'es mort, en plus, c'est un full couloir. C'est-à-dire que là, t'es dedans, elle balance un laser au milieu et t'es en bas, en fait, c'est foutu. Tu te le prends en 100%. De 100%. Ouais, les rebords devraient faire des efforts. Je trouve aussi que faudrait qu'ils se décalent hein, quand on est là. Hein. Parce que nous on est occupés, hein. Nous on bosse ici. Hein. Ça t'es le rebord. Hein. Vas-y bagarre. Nous sur PC. Nous sur PC actuellement. Dommage. Ça a tourné le mob, mais ça a pas bum. Waouh. Après, on tape vraiment bien à côté de ça. Hein. Ouais, on claque des 880 là en gros. Donc j'ai pas le buff de repas. Ouai! Ouais, il est pec! Bah après, c'est bien ici aussi, hein, en vrai, mais...
La cape tempo, non, tu l'as avant Iceborne. Tu l'as avant Iceborne parce que il y a une quête normalement avec la Lunastra qui est arrivée un petit peu avant la sortie de l'extension et elle est dessus. Il me semble que c'est dessus. Je suis plus sûr à 100%. Ouais, j'ai un doute. Il me semble que ça arrive avant Iceborne. Ouais, faut checker dans les quêtes événements et tout. Pas événements, les quêtes que tu peux avoir en parlant PNJ, tu sais, avec le petit point d'exclamation bleu et tout là. Et en gros, il fait oh là là, Lunastra et tout. Il y a une quête, ça commence par un Théostra en arène, je crois. C'est ça. Tempo ? Avant, ouais. Ouais, d'accord. Et Iceborne, voilà, c'est ça. Merci. Mal les dégâts. Si, c'est ça, c'est Théostra dans le désert et ensuite ça t'emmène sur une quête Théostra en arène et avec la Lunastra et tout. C'est carrément ça, c'est vrai que ça, c'est Théostra dans le désert. C'est une série de quêtes. Hey. Voilà. Oui. Yep, da-da-da-da-da. Ça t'y va. Donne la patte. Fracasse la patte là. Didi. Bon ça, je vous ai pris deux cartes. Le temps de me remettre dans le bain avec cette arme là. Puis c'est bon. Ça s'est plutôt bien passé. Ça tapait bien, quoi, on va dire. La gemme ! Incroyable. Ouais, le marteau de Joe, il est trop joli. Comme une bonne arme le marteau, on rigole bien avec. T'as combien de PV? Je sais pas du tout combien elle a de PV la Coupe Tarot en vrai. En 3 joueurs en tout cas, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas les infos sur ce genre de truc. Mais ça doit se trouver facile. Tchit. Bah, Théostra, non. Culte Tarot. Culte Tarot, le mob. Bon, Culte Tarot. 30 000 PV a priori. Non, 54 000, voilà, 54 000 PV. 54 000, c'est pas mal, hein. Bon, non, j'ai pas besoin là. Vas-y, on a le temps de se refaire une quête en vrai, tranquille, hein. Y'a un truc que vous avez besoin de taper, vous mettez hein, moi je rejoins. Oh, on dirait qu'on peut pas grailler d'ici. Yedidi. Qu'est-ce que c'est? Putain, il paye pas la bouffe.
de payer la bouffe. Bidibidip. Habitué du multi. Bah je vois ouais. Vous avez besoin de quel mob? C'est trop bien les chaussures avec les semelles qui brillent comme ça là. Des baskets d'ong. Lui aussi ça brille en bleu comme ça. Oh. Bottes. Eh c'est des bottes mais bon. Vas-y go next. Behemoth. Et là vous avez fait Kul'Tarot. Il doit y avoir d'autres mobs quand même. Pas à la Tréon j'imagine encore. Pas à la Tréon Fatalis. Ah t'as besoin de Behemoth encore? Normalement t'as débloqué l'armure Draken en costume la dernière fois, non? Non? Ah. Mais c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant hein, le Behemoth. Hein. Non, non, on va voir. Il faut que vous me disiez. Non, je mets un... Vous êtes rang combien d'ailleurs? Ça, c'est vraie question. Rang... Ah, mais 102 et... Hein? 102 combien? Et 200? Ah oh, non, un... Le Théostra, il est bien parce qu'il va... Il drop... Moi, je l'aime bien, la quête Théostra, en vrai. Et le Théo, il drop des... Des décorations grave intéressantes, souvent. Enfin, il est bien pour farmer des décorations, quoi. Ça, je veux dire. Dual Blade? On peut faire Dual Blade? On va jouer... Je vais jouer DB, ça fait longtemps. Oh, dis donc! Ils sont jolis mes DB. Hop. On peut bouffer le bon plat. C'est pas un mode, hein? Il me semble, cette Dual Blade là. Ouais, c'est les DB Shara, c'est ça. C'est Shara ou Garuda? Je sais plus. Mais oui, c'est des vrais, ça. Je vais regarder. Bon ben là. Hop, du Shara. Ah c'est ça Shara ouais. Ouais c'est Garuga, c'est ça, c'est bien Garuga du coup. C'est vrai que Shara c'est ce truc là. Ougmazou, mais ça c'est un mode. Celle-ci c'est pareil, c'est un mode. Mais j'aime trop celle-ci. C'est des vestiges de la Gacrus un peu. Ouais, Yann Garuga, ouais, on était d'accord. Go! Voir les DB, comment ça tape. Hop top, 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 top. Il va manquer le counter philoptère. Hein. Allez, bagarre. Bah alors! Qui dit ça? 46, tu t'as. C'est vrai que le counter philo, mec, ça, ça manque. Hein. Ça manque toujours hein, quand tu joues. Quand tu joues Dual Blade. Hein. Quand t'as goûté une fois au. Je sais plus comment. Au saut voilé, c'est ça, je crois, qu'il s'appelle. Bah, t'es habitué après. Hein. Par contre, ça tape. Ça, j'avoue.
Ça, ça tape juste comme ça en vrai, les Dual Blade. C'est en termes de mobilité, ouais, là on a pris quelque chose. Ah, c'est même pas... Non, même pas en mobilité en vrai. C'est juste pour burst. Et là on est obligé de burst avec ça. Toujours en dessous des autres armes, il a dit. Ouais, mais t'as vu, on tape vraiment beaucoup. On met vraiment masse de hits. Du coup, en vrai, on rattrape. Justement, là, on a vraiment beaucoup d'occasions de taper. Juste comme ça, là, déjà, voilà. Sur Breaky Tempête ? Ah non, sur Breaky Tempête, clairement, c'est, la DB, c'est... un match-up de merde. Hein. Honnêtement, ouais, c'est pas vrai. Quoi. Il est trop en plus, non? Et là, tu vois, la lave, hein, par exemple, bah là, on burst bien. Ça bouge bien quand tu te déplaces à coup de dash, quoi. Ouh, passe dedans. Tu n'as pas le focus, il a dit. Bah moi, j'aime bien avoir le focus. Parce que du coup, je sais comment il va se tourner le mob quand je dash. Qui va se retourner vers moi, je peux dash en préventif pour avoir la tête. Enfin, quand il fait ça, genre on sait qu'il va revenir. Il peut faire des trucs, tu sais, plus ou moins. Ouais. Putain, mais je fais cancel au moment du dash, hein. J'aurais pu die. Je me tue tout seul avec mon stuff safi, mec. Vroom. Voilà. C'est con, j'ai plus de tranchant, mais... Ouais, si, ouais, ça tape bien, très bien. C'est bien. Je pense que je fais autant de dégâts qu'avec ma Charblade. Tu mets bout à bout le temps que je tape. Et quand tu prends le fait qu'avec la Charblade, je suis obligé de charger avant de burst. Holy shit. Ça, mec. Que les fioles tapent à 200. Ouais, c'est ça. Les DB comme ça tapent tout le temps, ouais, ça compense vraiment bien pour le coup. Hein. Par contre, faut aller chercher les occasions, hein, c'est sûr. Hein. Sinon, tu gagnes rien du tout.
Hop, tololop, tololop, tap, tap. Ok. Yep, avec la CV par contre j'ai pas de problème à taper les autres mobs. Même du Breaky Tempête, au pire je peux partir en savage et c'est bon. Ce que je faisais d'ailleurs. Après mes fioles et tout, je peux m'en SAED et tu me diras. Faut essayer de refaire un Breaky Tempête ou du Hellblade pour voir le merdique que c'est. Ça t'y va. Mec, j'ai tapé pour l'aider. Pris une dingue derrière. Oh, c'est moi qui suis stun du coup. Bon. Là, t'as... ouais, ça burst bien comme ça, les débuts, ça fait plaisir en vrai. Nice. Trop bien, très agréable les dégâts qu'on sort là. Deux coups c'est une fiole en gros. Deux coups de Hellblade c'est l'équivalent d'une fiole. Enfin sur le combo normal, parce que quand je plante les lames, je tape plus fort que les fioles. Hein. Ça va, ça. Bah, ça. En vrai ça fait plaisir quand c'est comme ça. Quand je suis passé dedans, j'étais greedy. Bon, si ça va, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. On a un rythme de pain dans la gueule qui est agréable. Mais je crois que le Breaky Tempête, la dernière fois que je l'ai fait au Dual Blade, je tapais essentiellement en m'accrochant et en faisant le wound, tu sais, où l'attaque, où ton perso il saute là. Il saute en tournant et tout. Il était trop. Ouais, c'était propre de ouf, hein. Ça c'est trop bien en vrai. Ça c'est le move pour les evades sur le jeu. Mais si, pourquoi tu dis ça, ce quoi là? Tac tac. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire ça. Ah oh, c'est beau, hein, ça tapait hein. J'espère des petites gemmes sympas pour vous, hein, surtout parce que moi là, moi j'ai déjà tout, mais le Iron Man, l'attaque est bien, mais bon, j'en ai déjà une quarantaine. 500, on est comme ça. Holy shit. Holy shit. Je referai mes 7 dB pour la prochaine fois et on checkera. On sera des braquis de mort. Je suis curieux de voir à quel point c'était leur merde, parce que je l'ai fait une fois, il me semble. Et j'y suis plus retourné depuis, bizarrement, hein, avec les Dual Blade. Bizarre, hein. Bizarre, maintenant j'y vais que à l'insecto ou à la charlotte, c'est bizarre. Hein. Allez ! Au moins on a réussi à faire une culve, plus tout ce qui va avec. J'arrive pas ! Voilà, je vais mongoliser. Allez ! Allez, à l'aide ! C'est pas tout ça, nous on va y aller du coup. Je vais vous laisser là, je vais aller grailler. Bien évidemment, il est l'heure. Bientôt 23h, mais déjà 22h30 passé. Du coup, bah comme d'hab, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi live. Ceux qui sont restés, la VOD, bah voilà, je cote la VOD, bien sûr. La mise de la VOD, celle-ci était plus longue, hein. Pour MH. Bon, en vrai, elle vaut celle de Pokémon. 1h et quelques. C'est worse. Quoi demain pour Pokémon ?